Yo tout le monde, c'est Xaroz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en MME, sécurisation de zone sur la map littorale sur Rainbow Six Siege. Donc voilà, on est parti, on va attaquer, on va prendre H, voilà nouveau personnage, j'ai acheté 2-3 accessoires, je vais vous montrer ça en game, on va voir ce que ça donne. Alors je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle. C'est que la semaine prochaine, il y aura la première vidéo de Rainbow Six Siege en Ranked. Et ce sera ma première partie de placement. La toute première, je la mets sur YouTube. Et c'est pour vous. Voilà. Donc ça me fait plaisir. J'ai envie de vous partager ça. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc ça y est, on charge. On va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, on est parti. Bon, on spawn sur le toit. J'ai une petite habitude, moi je spawn souvent sur le toit. Pourquoi pas? On voit souvent des drones spawn sur les toits, c'est impressionnant. Bref, c'est pas bien grave. On va chercher cette pièce. Alors, où est-elle la petite pièce? Hop, on l'a trouvé. Ah, tiens, elle est juste en dessous en fait. C'était l'étage en dessous. Je vais essayer de trouver l'escalier. Voilà. 10 secondes avant l'insertion. Hop, pardon, je rentre. Ah. J'ai pas réussi à me cacher. C'est pas grave. Alors, je sais pas par où je vais rentrer, parce que je sais pas ce que la team fait. Bon, moi je vais passer par là. On sait jamais. Ah, je suis vachement proche en fait là. Ouais, je suis le mec. Bon. Allez, on passe par là. Tu me diras comment ça se passe. Voilà, ça c'est fait. Premier petit kill. Et où sur le coup j'ai pas eu le réflexe. On va faire. Voilà, deuxième kill. Deuxième tire-tête. Voilà, il avance. On va suivre. Vas-y, 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 mec. Je te suis. Je te suis, boy. Ok, je te suis pas, boy. Il s'est bouffé le piège, non merci. Hein. Ok, là c'est un peu le bazar. On va se mettre là, on va voir ce que ça donne, si on a un qui passe. Allez les petits poulets. Ça bouge. Voilà. C'est pas celui-là. C'est le stress. Je le vois pas et ça me stresse. Je sais pas où il est.
J'ai vu. Ouh, j'ai mis le tir-tête, ça y est. Les amis, ça y est, 4 tir-tête, 4 kills. Et on se fait la full team. Je crois que j'ai fait la full team puisqu'on a commencé en 4 contre 4. Ouh, c'était chaud, les amis. Ouh, le stress. Ouf. Ouh là là. Je le voyais pas, le coquin, je le voyais pas. Waouh. Faut que je m'en remette, là. Bon, on va défendre la manche. On va essayer de faire aussi bien que la première manche. Parce que là, les 4 kills, ils ont fait plaisir. Et on va le faire avec Capcan. On va poser les pièges. Oh là là. 4 tirs-têtes, hein. 4 kills, 4 tirs-têtes. Mais j'avoue que le dernier, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai vu vraiment qu'à la fin. Et vraiment, j'ai tiré en espérant. Hein. C'est le cas de le dire. C'était l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Et c'est le cas, puisque je suis en vie. Voilà, c'était la petite blague. Elle était pas drôle. Sécuriser la salle. On va poser la protection. Vous voyez comme quoi, première game, enfin, pas la première, mais je crois que c'est une des premières games. Donc toi, tu vas t'arrêter tout de suite. Ça doit être ma deuxième game. D'accord, tu me laisses pas rentrer. C'est pas grave. Ça doit être ma deuxième game avec. Avec H, et ça se passe vraiment bien, hein, vous avez vu. Donc par contre, ça te dérange pas, je vais re-rentrer, parce qu'en fait, voilà. Hop fort à localiser le conteneur radioactif. Une caméra en place. Piégé, écartez-vous de la zone d'effet. Voilà. Je peux me mettre là. J'espère qu'il me couvre bien. Là, j'avoue que je voulais me relever, je vais pas le faire. Il avait tiré. Ça tire dans l'escalier. Caméra en place. En fait, je suis très mal placé. Je suis affreusement mal placé et j'ai vu en plus le C4, vous l'avez vu, et ça me fait flipper. J'avoue que j'ai voulu tirer dessus sur le coup, je me suis dit s'il explose, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, deuxième manche génie, là j'ai pas fait grand chose. J'ai vu beaucoup de tirs, mais très peu d'ennemis, c'est le cas de le dire. Ah, d'accord, il était bien sur le balcon. Bon, ils ont bien fait de rush. Mais j'ai eu peur, avec le C4 là. Enfin, la nitro. Je savais pas trop quoi faire. Tirer, pas tirer. C'était un peu le stress. Bon, d'accord, ils prennent un. Bah, je vais reprendre H alors. On va essayer de refaire une petite manche avec H. Essayer de faire du kill et surtout de bien utiliser. Le lance-missile, je vais dire ça comme ça, le lance-grenade explosive, je sais pas trop comment ça s'appelle, parce que la manche d'avant c'était, enfin la première manche c'était le stress, je l'ai utilisé un peu n'importe comment en espérant que ça fasse un kill, mais on va essayer de bien l'utiliser là, prendre son temps et faire les kills. Hop là. Déjà, il va falloir trouver une entrée. Je suis très très doué pour ne pas trouver les entrées. C'est quelque chose. Je crois que c'est un art. Je ne trouve pas les entrées. Ils ont pas l'air d'être au rez-de-chaussée. Peut-être étage. On va voir ça. Non, ils vont chercher. Bon, alors c'est qu'ils sont au rez-de-chaussée. J'ai juste pas très bien regardé. Insertion dans 5 secondes. Oui. Parfait. Ah, ils sont en étage, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, allez, on y va. Rendez-vous sur place. On va casser du cul. C'est parti. Est-ce qu'on peut s'accrocher là ?
la charge. On voit pas grand chose, hein. Ah, j'ai peur, ça sent la mort. Ah tiens, ce que je disais. J'ai bien fait de pas rentrer au début. Ça sentait la mort. On va essayer de rejoindre la team. Oula, ça s'est pas mis, voilà. Charge en place. Voilà. Tu mets là. On a une autre partie là-bas. Est-ce qu'il y aurait moyen de rentrer par là? Ah oui, bien sûr, mais est-ce qu'il y a du monde? C'est ça la question. J'avoue que j'ai pas trop envie de faire le test. On va pas rester là non plus la nuit, donc pourquoi pas essayer à chaque fois. Oula. Petit problème, on recommence. Hop, on est rentré. Là on va faire attention. On s'approche. Ok, il n'y a personne. Ok, on va rester là. On va aller regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne, donc ça c'est bon. Ok, donc j'ai un peu de marge, je vais pouvoir avancer. Une caméra ici? Ah non, ennemi détecté à l'extérieur. J'ai cru que j'avais été repéré. Ah, lui il est mort. Ok, c'est parti. J'ai pas eu le temps de rentrer, je croyais que c'était cette pièce là. Voilà, de toute façon il y a du monde derrière moi. Là il va falloir se réveiller là. Ça fait deux manches, je fais pas grand chose. Il va falloir se réveiller avec une bonne manche défensive pour pas perdre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre Pulse. Essayer de faire une bonne manche défensive. Parce que là en attaque j'ai été assez perturbé avec avec ma première entrée. Je me suis fait tirer dessus et ensuite le temps que je cherche. Voilà, petit problème de manette. Hop, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Excusez-moi. Donc on va barricader ça tout de suite. Et on va tenter de faire une bonne manche. Alors il faudrait aussi que tout le monde mette les barricades pour pas qu'on, qu'on se prenne un fuse là. Enfin la technique de fuse en l'occurrence. Ce serait bien. Ouh, toi tu vas où toi? 10 secondes restantes. Caméra en place. On préfère ouvrir. Si encore vous 5 secondes.
homme fort à localiser le conteneur radioactif. Je vais me mettre là pour l'instant. Hop. Déploiement du capteur cardiaque. On va regarder ce qui se passe. Donc je pense pas qu'il rentre par devant. Mais on sait jamais. Nouvelle caméra active. Allez, d'accord, ils ont mis des barricades partout, sauf que là le fusil il va pouvoir se faire plaisir les amis. Il va pouvoir se faire plaisir, ça c'est pas bon. Regardez s'il se passe quelque chose. Alors, où est-ce qu'ils sont? Allez voir au niveau de la fenêtre. Évitez de se prendre un fuse. Hein. Ah, là, vous l'avez vu, je l'ai vu, on l'a vu. Et je me suis pris. Je l'avais dit, je l'avais dit. Ah bah non, c'est bug. Je pensais que c'était fuse. Non, c'est une grenade. Alors, comment je me la suis prise? Je sais pas comment j'ai fait pour me la prendre. Je ne sais pas. Sécuriser le conteneur radioactif. Empêcher l'ennemi de sécuriser le conteneur radioactif. Il reste un allié. Allez mon petit, tu peux le faire. Hop fort, sécurise le conteneur radioactif. Vas-y. Ouh, le shoot. Allez, 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 allez. Le flingue. Non, pas le temps de recharger. Aïe aïe aïe. Échec de la mission. Bon, c'était pas trop ça là les trois dernières manches hein. Ah, c'est surtout qu'il aurait dû prendre son flingue là. C'est à ça que ça sert. Ah, on redéfend. Oh là là, j'aurais préféré attaquer. Bon, c'est pas grave. On va reprendre Capcan pour les pièges. Ça peut faire la différence parce que là j'ai l'impression que Pulse, ça n'a pas servi à grand chose. Et on va essayer de se mettre en dehors de la pièce pour éviter de se prendre fuse. Parce que là, ça aurait pu être violent. Ça aurait pu être violent. Puis je me suis pris une grenade, alors j'aimerais bien comprendre comment je me la suis prise. La grenade, c'était Buck, je crois, qui me l'a envoyé. Parce que j'ai pas compris sur la killcam comment elle est arrivée jusqu'à moi, mais bon. Sécuriser la salle. Donc c'est reparti, dernière manche, il faut la gagner. Et on va faire ça en défense. Le drone de fort a localisé le conteneur radioactif. Ouh, tu vas où? Bah, reste là. Hein. Alors, je peux poser les pièges, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas que je pose un piège? 5 secondes. Bon, il veut pas. On va mettre un ici. Radioactif à tout prix. On va réessayer d'en mettre un là, peut-être que c'était juste un petit bug. Non? Non, il veut vraiment pas? Tu veux vraiment pas? Si, tu veux bien. J'étais un petit peu trop bas en viseur, c'est pour ça. Là c'est bon. Oula! On se prend déjà des balles, c'est pas la bonne nouvelle ça. Nouvelle caméra installée. Oh oui, d'accord, je peux pas reposer de piège moi. Allez, à terre! Essayer de se mettre un peu plus à couvert. Vous avez été repéré, merde. Ça casse. Oula, il y en a à l'extérieur. On va attendre de voir ce qui se passe.
Ça casse, ça casse, ça casse. J'ai eu peur. Je suis un petit peu tout seul à défendre la zone là et je sais qu'ils sont autour de moi. Et c'est là où on aimerait avoir Pulse. Donc j'ai vraiment bien fait là. Je prends le mauvais perso au mauvais moment. C'est pas grave. Il est en train de... Oh non ! Mon dieu ! Je pensais qu'il allait recharger. Les alliés ont été éliminés. Échec de la mission. Ah oui, mais je suis tout seul à défendre la zone. Ah oui, d'accord. D'accord, le fourbe. Le fourbe. Bien joué à toi. Donc voilà, défaite étouffée. Carrément. Donc vraiment dommage, parce que c'était une première manche vraiment, vraiment bien. Ces 4 kills étaient géniaux. Malheureusement, j'ai pas la team qui a suivi et puis j'ai fait des mauvaises manches après. Sauf la dernière où j'ai réussi à faire un kill quand même, donc ça va. Voilà, voilà. Donc merci en tout cas d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous proposer ce petit gameplay. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde.